J'étais sur mute, désolé. Donc, je disais, désolé pour ceux qui étaient en train de danser. Bienvenue à la première diffusion sur Twitch. Bienvenue chez nous. Juste me dire, peut-être ceux qui sont en ligne, si le son est synchronisé. Là, j'ai l'impression que j'ai une petite désynchronisation du son. Donc, dans le chat, vous pouvez écrire. Donc, pourtant, j'avais bien testé ce matin. Ouais, OK. Donc, merci Eric. Là, ce que je vais faire, je vais juste couper le stream et revenir, pardon. Donc, je vais. Des fois, il faut faire un petit refresh comme ça. Désolé. Je pense que ça a l'air mieux. Ça a l'air beaucoup mieux, en tout cas, du moins, de ce que je vois dans mon preview en ce moment. Donc désolé pour ce petit problème technique, des choses qui arrivent, première diffusion, faut s'ajuster. Alors, je vais attendre que les gens se reconnectent. OK, on est à 8, c'est bon. Excellent. Donc, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, juste me présenter rapidement. Parce que je devine que la majorité d'entre vous me connaissez déjà. Je suis Michael Essard, je suis un architecte de solutions chez Red Hat. J'habite Lévis, tout près de Québec, au Canada. Alors, très content que vous soyez avec moi pour cette première aujourd'hui. Vous avez entendu en ouverture de la musique, musique techno, un style de musique que j'aime bien, en tout cas qui fit bien en fait avec ce qu'on fait comme travail. C'est pas un groupe que vous connaissez, je devine. Parce que j'ai pris cette musique-là d'un site web qui s'appelle freemusicarchive.com. C'est le groupe Synapsis. La chanson, c'est Psygnum X. Donc, pour votre info. En fait, c'est de la musique libre de droit. Hein. Donc, avec Twitch, lorsqu'on diffuse, on peut mettre la musique qu'on veut. Mais lorsqu'on veut enregistrer notre diffusion, ça, en fait, Twitch a des algorithmes qui détectent la musique qui a des copyrights et empêchent l'enregistrement de la diffusion. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi, en fait, une musique libre de droit. Donc, juste me dire, encore une fois, ceux qui sont en ligne en ce moment, me dire si tout est beau, le son est bon, comme c'est la première. Je pense que c'est bon. OK. Donc, en passant, juste vous dire un petit peu mon setup. Là, j'ai deux ordinateurs avec trois écrans. Donc, vous allez me voir là, tourner la tête à droite et à gauche. C'est tout à fait normal. Je vais essayer de vous regarder le plus possible directement dans les yeux. C'est toujours plus le fun de voir qu'on sent qu'on se fait regarder. Donc, tout est beau et le son est bon. Merci, Eric, encore une fois. Donc, histoire de continuer un petit peu sur qui je suis, pour ceux qui me connaissent un petit peu moins. Donc, comme je disais tantôt, je suis un architecte de solutions chez Red Hat. Aujourd'hui, je célèbre ma 9e année complète chez Red Hat. Donc, je tombe dans ma 10e année. Je peux vous dire qu'en 9 ans, j'ai pas vu le temps passer. J'ai eu beaucoup de plaisir chez Red Hat. Beaucoup de plaisir. J'ai la chance de rencontrer un paquet de clients différents avec des installations différentes. Je me suis promené dans les premières années chez Red Hat. Je couvrais l'Est du Canada. Donc, j'ai vu plusieurs setups super intéressants. C'est le fun de rencontrer les gens, c'est le fun de voir ce que vous faites avec nos technologies.
Donc, qu'est-ce que c'est un architecte de solution pour ceux qui ne connaissent pas? Eh bien, on est la voix technique des ventes, en fait. On est ceux qui présentent les produits, qui démontrent, qui font des démonstrations. On fait beaucoup d'événements aussi. Vous avez sans doute déjà vu, pardon, présenté à plusieurs reprises. Et on fait bien sûr des preuves de concept. Donc, on s'assoit avec les clients, on regarde si l'échelle fait du sens ou pas dans les besoins que les clients tentent d'accomplir en fait avec nos produits. OD, 2D, je suis un spécialiste de plateforme Linux. Donc, ça fait 25 ans que j'œuvre dans ce domaine Linux-là. Dans le passé, j'ai aussi travaillé pour d'autres compagnies, d'autres manufacturiers, entre autres Novell. Justement d'arriver chez Red Hat. J'ai aussi enseigné la gestion des réseaux au Cégep. Je suis un amateur d'automatisation sans être un spécialiste. On a un groupe de spécialistes chez nous qui ne font que de l'automatisation. Dans mon cas, comme je suis généraliste, je couvre tous les produits, mais j'adore la portion automatisation, tout ce qui est bien sûr Ansible. J'adore aussi tout ce qui tourne autour du nuage informatique, qu'il soit privé avec OpenStack ou cloud public. Principalement avec les trois gros, là, Amazon Azure et Google Compute Engine. Donc, en dehors de ça, j'essaie aussi depuis plusieurs mois, plusieurs années d'apprendre Python. Donc, je suis en apprentissage de Python continuellement. On n'a juste pas assez de temps pour focusser et apprendre la technologie comme il faut. Mais bon, dans les prochains mois, là, je compte vraiment approfondir ça et peut-être qu'on pourra en faire un sujet éventuellement dans une prochaine diffusion. En dehors de mon travail, j'ai d'autres passions, bien sûr. Passion, très passion. On adore ici, avec mes enfants, jouer à des jeux vidéo. Donc actuellement, d'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi j'ai démarré ce canal-là sur Twitch. On est très grand consommateur de Twitch ici dans la maison. Et je trouvais que ça pourrait être une bonne idée de faire quelque chose propre à mon travail avec Twitch. Donc je vais revenir sur ça dans quelques instants. Donc, passionné de jeux vidéo, passionné de jeux de société aussi. J'ai plusieurs jeux de société à la maison. Je joue souvent en famille et entre amis. Souvent, jeux vidéo, jeux de société vont en concert ensemble. Sinon, en dehors de ce monde informatique, de ce monde intérieur, j'adore être dehors. Grand amateur de montagne. Je passe beaucoup de temps l'hiver en ski alpin, bien sûr, en famille, l'été en randonnée. Depuis 2 ans, j'ai découvert, grâce à un de mes amis, le vélo de montagne. Et l'an passé, on a vraiment passé beaucoup de temps en montagne avec nos vélos. Je sais qu'il y en a parmi vous qui sont des amateurs aussi de vélos de montagne. Donc, juste la saison approche. Je regarde dehors aujourd'hui, c'est pas très encourageant, mais la saison s'en vient. Donc, juste vous donner le goût ici, une petite photo que j'ai prise l'an passé de mon fils dans une des pistes qui s'appelle le Coup de Foudre au Mont-Saint-Anne. Au fond, ce que vous voyez, c'est l'Éderlin avec le fleuve Saint-Laurent, bien sûr, magnifique piste. C'est ce que j'aime en fait en vélo de montagne. On a accès à des paysages que ça peut être plus difficile à atteindre à pied. C'est sûr que c'est possible, là. Ça va juste prendre un peu plus de temps. Mais on passe très rapidement là, de champ à montagne, à environnement roche, proche de la rivière. En tout cas, on change rapidement de décor. C'est ce qui est le fun en vélo de montagne. Donc, maintenant, parlons un petit peu de ce stream, de cette diffusion-là, de ce canal-là. Alors, je sais que sans doute si vous êtes en train de me regarder, je devine que la plupart d'entre vous connaissez déjà Twitch, mais si ce n'est pas le cas, vous dire que Twitch appartient à Amazon et c'est une plateforme principalement orientée lors de sa création pour les joueurs de jeux vidéo. Donc, les joueurs diffusent leurs parties en temps réel. Donc, on peut regarder les joueurs, prendre des trucs d'eux autres, interagir avec eux autres. On voit aussi beaucoup de tournois diffusés sur Twitch, des tournois qui attirent des millions de personnes. Je ne sais pas si je vais avoir de la chance de me rendre à ce chiffre-là avec mon canal. On verra bien. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que la plateforme est en train de se diversifier. On est en train de voir pas juste des jeux vidéo. Je vous donne un exemple, ma fille qui adore faire de la peinture, elle suit un peintre en fait, qui la fin de semaine, le dimanche matin, prendre une feuille blanche et commence à faire sa peinture. Et ma fille regarde comment tout simplement il fait du début jusqu'à la fin. Donc ça lui donne des trucs, elle adore regarder ça. J'ai aussi peut-être depuis plus d'un an, enfin, on commence à voir des programmeurs aussi diffuser leurs travaux.
en temps réel sur Twitch. Donc, c'est le fun à suivre. Moi, j'en suis quelques-uns. Je trouve qu'on apprend beaucoup. On peut interagir. Ce qui est le fun pour les programmeurs aussi, c'est que des fois, ils sont bloqués dans un bug et les gens qui les suivent donnent des trucs. Donc, c'est aussi très agréable aussi pour les programmeurs de se faire aider dans leur travail, pardon. Donc, ça m'a donné l'idée un petit peu de faire comme eux, comme ces gens-là. Donc, apporter de la diversité un petit peu sur Twitch. Donc, de faire un canal qui focus vraiment sur ce qu'on fait comme travail, nous, c'est-à-dire plus côté administration système. Donc, vous présenter ce qu'on fait avec Linux et plein d'autres logiciels qui tournent autour de Linux. Donc, ça va me permettre de partager non seulement mon travail, mais ma passion pour Linux avec vous et interagir. Donc, n'hésitez pas à interagir avec moi. Pour ceux qui sont pas abonnés, en fait, qui ne sont pas abonnés, mais qui ne suivent pas ma chaîne, vous ne pourrez pas chatter. Il faut juste suivre, il faut être capable de chatter, mais n'hésitez pas à poser des questions, passer des commentaires. C'est ça la beauté de la plateforme. Je tiens aussi des rogues. On a des meet-ups aussi qu'on fait régulièrement. Sachez qu'on n'arrête pas de faire les rogues, les meet-ups, ça va continuer. C'est juste que les rogues et les meet-ups reviennent. Pour les rogues, c'est une fois 3 mois. Les meet-ups, du moins du côté Ansible, c'est 2 fois par année. Donc, à tout aux 6 mois. On est dans un domaine que la technologie va hyper vite. Beaucoup de nouveautés à chaque semaine. Donc, c'est bien les rogues, c'est super bien parce qu'on se rassemble ensemble, on se voit face à face. On amène des sujets techniques, mais on n'a pas le temps de livrer tout ce qu'on voudrait vous livrer. Donc, au travers cette diffusion-là, ce canal-là, ben, le but, c'est de vous en donner un peu plus. Et en plus, du confort pour le mettre de votre bureau ou de la maison. Donc, à qui s'adresse ce canal-là, ces diffusions-là que je vais faire? Ben, c'est principalement, je vous dirais, des sysadmins, des architectes, mais aussi des passionnés en TI, des passionnés en Linux, en logiciel libre, qui veulent tout simplement en apprendre plus, en voir plus. Je compte bien sûr couvrir plusieurs des produits de Red Hat, mais aussi des produits qui tournent autour de Red Hat. Je suis un grand amateur aussi de tout ce qui est connecté, périphérique connecté. En fait, ma maison et ma seconde maison, le chalet, j'ai tout connecté ça en utilisant des Raspberry Pi. Soit peut-être qu'une prochaine diffusion aussi, on regardera ça ensemble, à creuser ça ensemble. Pour savoir quand je diffuse, je ne vais pas inonder, en fait. Je ne vais pas inonder les messages sur Meetup, là. J'ai parti avec Meetup, mais vraiment, pour être informé quand je vais diffuser, la meilleure façon, c'est de me suivre sur Twitch. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez ouvrir un compte, c'est gratuit. Pas besoin de vous abonner parce qu'il y a un principe d'abonnement sur Twitch. L'abonnement coûte 5 $ par mois. Je ne demande pas ça du tout, là. Je fais ce stream-là par pur plaisir. Parce que j'aime ce que je fais, puis je vais partager en fait ce que je fais du mieux. Là, je me fais déranger, c'est la première fois que je me fais interrompre. Donc, vous avez entendu, on a une nouvelle personne qui me suit. Oh, un deuxième aussi. Donc, c'est bien. C'est le fun de voir que vous embarquez avec moi dans cette aventure-là. Donc, j'ai mis un petit son de modem pour nous rappeler le bon vieux temps. Puis pour le premier qui va éventuellement s'abonner à ma chaîne, j'ai mis un son particulier aussi, un petit son aussi qui va vous rappeler des souvenirs. Donc c'est ce que j'avais à dire du côté de la plateforme Twitch. Je ne sais pas s'il y a des questions, commentaires, n'hésitez pas dans le chat à poser des questions. J'ai aucun modérateur pour l'instant. Enfin, j'ai un robot modérateur, un site web en fait qui modère un petit peu. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, ICQ, ouais, c'est bon. Non, effectivement, c'est pas ICQ, vous verrez au moment que la première personne va s'abonner. Donc, oui, peut-être vous présenter un petit peu ce qu'il y a dans l'écran Twitch, là. En haut, ici, vous avez mon adresse Twitter. Donc, ça va être annoncé sur Twitter quand je vais diffuser si vous voulez pas vous abonner à Twitch. Ce que j'ai ici en haut, juste là, c'est le prix de l'Ethereum aux 5 minutes près environ. J'ai découvert la crypto il y a plusieurs années avec Bitcoin. J'avais acheté quelques Bitcoins il y a quelques années et j'avais laissé ça dormir un petit peu dans un compte. Et en novembre dernier, quand j'ai regardé la valeur de mon compte, je suis tombé sur le dos, littéralement, parce que en fait,
Ça avait pris beaucoup de valeur. Donc, au lieu de retirer cet argent-là, j'ai, en discutant avec des amis qui connaissent mieux les cryptos que moi, j'ai pris une partie de cet argent-là, puis je l'ai investi dans d'autres cryptos, dont l'Ethereum, ce que j'ai mis quand même un bon montant dans l'Ethereum. Donc, je trouve ça bien, ce projet-là. On aura peut-être la chance d'en discuter dans d'autres streams, pourquoi pas faire, dans d'autres divisions, pardon, pour faire un sujet sur ça éventuellement. Donc, sur ça, on va aller avec le contenu. Il est déjà midi et 15 déjà, le temps file vite. J'ai beaucoup de matériel aujourd'hui pour vous comme premier épisode. Je doute que je vais avoir le temps de passer au travers de tout ce que j'ai mis sur papier. Mais bref, je vais refaire une diffusion dans 2 semaines. On prendra tout simplement où on sera rendu. Et ça va botter un petit peu de cette chaîne-là. Là, je n'ai pas la pression normalement que j'ai lorsque je présente. Souvent, il faut livrer une démonstration d'un produit ou le client s'attend à une démo particulière. On a la pression de livrer le contenu en dedans souvent d'une heure. Donc, avec le stream, on va être beaucoup plus relax comme présentation. Donc, comme première, tiens, partons avec une petite démonstration, une petite démonstration que j'ai trouvée sur YouTube. En fait, voilà quelques mois déjà, je l'avais gardé en note, parce qu'en fait, ce projet-là de stream, ça fait plusieurs mois que je le mijote. Donc, j'avais gardé ce petit vidéo qui était une petite démo. Ça va me donner une petite pause en même temps. Je vais vous laisser regarder en fait la démo qui est juste ici. Donc, je pense à ma deuxième vue. Donc, on va aller en plein écran. Juste monter votre son pour que vous puissiez bien entendre. Donc, c'est une démonstration en fait de Google Assistant, qui est Google Home aujourd'hui, avec une intégration avec Tower. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Tower, en fait, Tower, c'est une couche qu'on met par-dessus Ansible, qui va me permettre de contrôler un peu plus mon automatisation avec Ansible. Donc, je vous laisse découvrir cette petite vidéo-là et je vous reviens tout de suite après. All right, in today's video, I'm going to show you how to control Ansible Tower with something like Google's Assistant or Siri, or let's say Amazon's Alexa. In this case, I'm going to just use my phone here since I've always got that with me. I'm going to say a couple of commands and we'll actually see Ansible Tower pick up those commands via an API call and then do something with it. Now, this is something you probably never do in real life until this gets much better. But for now, there's some cool little commands you can do, and this just shows you kind of the power of where AI is going, as well as what you can do with Ansible Tower API calls. So in this case, I'm going to say a command. Okay, Google, deploy an Energy Windows web server. You got it. I'm making the API call to Ansible Tower to deploy your Windows web server as we speak. Is there anything else I can do for you today? Ta-da! It's pretty cool. So it's already, you can already see in my Ansible Tower over here, it's already kicked off my workflow of building my little energy corporate web server. And all I had to do was, you know, say a command. Now in another video, I'll show you how I set all this up, but I figured I'd at least put this together so you can see what it looks like. I'm going to let this kind of fast forward so you can kind of see the end result, and then I'll show you another command to actually delete the server. Ce que vous voyez ici, c'est le workflow. So now we can see my Ansible Tower job is finished. I can even go up into vCenter, see my new web server that was created, that powered it on. We can even go up to the URL and see the website that was deployed on it. So with that, I mean, I've just basically said something to Google. And it did it for me. It built a server for me. Now, obviously, there's a lot of playbooks behind the scenes. Again, I'll show you that in another video. But, you know, to close it out, let's go ahead and just delete this and, you know, clean up after ourselves. So we'll say something like, okay, Google, delete my Windows web server. Sure thing. I'm making the API call to Ansible Tower to delete your web server. Anything else I can do for you today? Okay, Google. No thanks. I appreciate the help. That's it. OK, donc c'est une petite courte démo. Je trouve ça super intéressant. Une des capacités, en fait, qui est très utilisée avec Ansible Tower, le fait d'être capable d'appeler des playbooks au travers de call REST API, en fait. Donc, qui permet de faire de l'intégration avec pratiquement n'importe quoi, incluant bien sûr Google Tower.
Google Tower, voyons. Google Assistant, pardon. Donc, on revient au contenu de la présentation. Donc, des petites annonces maintenant que je vais faire, des choses importantes qui sont passées cette semaine. Tout d'abord, mardi dernier est sorti Fedora 28. Donc, la dernière monture de Fedora. C'est pas le sujet aujourd'hui principal, mais je voulais juste quand même glisser un mot parce que c'est une grosse sortie. En fait, selon les développeurs, c'est la plus grosse sortie de Fedora à ce jour, celle qui contient le plus de changements. Je n'ai pas le nombre exact. Mais aussi, ce qui est très particulier pour cette sortie-là, c'est que pour une première fois, l'horaire a été respecté. Donc souvent, lorsque Fedora annonce des releases, on voit souvent les dates être reportées. Mais pour Fedora 28, la cédule a été respectée. Donc très bien. Félicitations à l'équipe de Fedora. Dans les nouveautés, il y en a plusieurs, encore une fois. La grosse nouveauté, c'est bien sûr GNOME. Un bon rafraîchissement au niveau de GNOME avec 2.8. GNOME a fait disparaître les icônes sur le bureau. Donc, plus d'icônes par bureau, sur le bureau maintenant avec GNOME. Moyen de les remettre là, en utilisant GNOME Shell Extension ou il y a un fork de Nautilus qui s'appelle Nemo qui aussi permet de mettre sur le bureau, de ramener les icônes sur le bureau. Pourquoi les icônes ont disparu? Semblerait-il que c'est une partie de Nautilus qui était très dormante, pas beaucoup d'améliorations. Le code est un peu bric-à-brac. Pas beaucoup de gens voulaient développer cette portion-là. Donc, ça empêchait de faire évoluer GNOME comme il faut. Donc, les icônes ont été retirées. Ce qui a changé, ce qui est une des grosses nouveautés de Fedora 28, c'est la modularité. Donc, on passe d'un OS qu'on met à jour d'un bloc à un OS qu'on peut mettre à jour par module. Donc, je vous montre ça juste ici dans quelques instants. Une petite image. L'image vaut 1000 mots. Donc, on va aller dans la documentation juste ici. Donc, il y a des modules, en fait, des canaux avec des modules qui permettent d'upgrader juste des portions, en fait, d'applications, en fait, d'un groupe d'applications sur Fedora. C'est nouveau avec Fedora 28. On voit une bonne amélioration avec 29. On va voir de plus en plus de logiciels supporter ça. Donc, ça transforme le logiciel qui était beaucoup plus monolithe, pas l'échelle, l'OS qui était beaucoup plus monolithe, un OS qui est beaucoup plus modulaire. Donc, ça, c'est une petite innovation intéressante dans Fedora à suivre, bien sûr. J'ai pas eu la chance d'essayer, là, c'est avec la version serveur de Fedora 28 que ça fonctionne et non pas avec la version Workstation. Faites attention. Et le root, login a disparu aussi avec Fedora, gros changement. En fait, on imite un petit peu ce que certaines autres distributions Linux ont fait. Donc, si on veut passer en root, il faut faire la commande sudo, bien sûr. Donc, plein d'autres nouveautés. Je vous invite à aller jeter un œil. Pour ma part, mon environnement, d'accord, en Fedora 27, j'ai pas eu le temps de passer en 28. Et pour être bien honnête, je vais attendre un petit peu là, que le produit se stabilise. Avec Fedora 27, tout est hyper stable, tout marche numéro 1 depuis plusieurs semaines. Donc, c'est une belle distribution Linux. Si vous ne l'utilisez pas, je vous invite à jeter un œil à Fedora, bien sûr. Autre annonce que je veux faire, vous montrer ici, en fait, ça vient de Alex, mon collègue Alex. Oups. Mauvais écran, désolé. Deux workshops qui s'en viennent à Québec. Donc, workshop sur l'automatisation Ansible avec Microsoft. Donc, si ça vous intéresse de participer, vous avez le bit.ly qui est ici. Je pourrais tout simplement le copier dans le chat s'il y en a qui veulent s'inscrire. C'est ce que je viens de faire. Et autre événement, solution Red Hat sur Azure Québec en juin. Donc, on n'a pas de lien encore pour les inscriptions, ça va s'en venir. Mais le 14 juin à l'ENAP avec Microsoft, on va parler d'SQL Server sur Linux, la plateforme OpenShift et de Ansible pour orchestrer Azure, en fait. Donc, c'est ce que j'avais annoncé avant d'embarquer dans les sujets. Sujets principaux pour aujourd'hui. De un, je vais vous parler du Red Hat Summit qui a lieu la semaine prochaine. Je devine, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui vont participer, mais beaucoup de nouveautés qui vont être annoncées la semaine prochaine. Et ce que je vais faire avec vous, c'est regarder en fait ce qui est autorisé à parler, parce qu'en fait, on n'est pas autorisé à parler des grosses annonces. Il y a eu des pré-annonces qui ont été faites cette semaine, même dans les semaines passées. Donc, c'est ce que je vais regarder avec vous dans quelques instants.
Et finalement, on va terminer. Je vois le temps avancer. On n'aura pas beaucoup de temps, mais on va regarder les principales nouveautés de Red 7.5. On va l'appeler la partie 1 parce qu'on n'aura pas le temps de couvrir tous les sujets. Donc, Red Hat Summit. Allons dans le Red Hat Summit. Tout d'abord, si vous n'êtes jamais allé à ce genre d'événement-là, vous manquez quelque chose. C'est vraiment un genre d'événement qu'il faut au moins voir une fois dans sa vie. J'ai eu la chance de participer à 10 Red Hat Summit. Pas 10, c'est ma 9e année. Donc, 8 Red Hat Summit, j'ai manqué une année. C'est vraiment une belle semaine très technique. Vous pouvez accéder à un paquet de labs, de sessions. Il y a des présentations générales. Si vous voulez prendre une pause, il y a des coins bien relax, des divans, des tables de poule. Toutes sortes de choses qu'on peut faire qui relatent bien sûr la technologie de Red Hat, mais tout ce qui tourne autour de Red Hat. Et en plus, comme c'est une semaine à l'extérieur, donc vous n'avez pas à vous occuper des enfants, vous n'avez pas non plus être dérangé par des collègues, vous focussez vraiment sur le contenu qui est livré au Red Hat Summit. Donc beaucoup d'items en roadmap au Summit, beaucoup de labs. En fait, pour parfaire vos connaissances, bien sûr, c'est un bel endroit pour ça. Grosse nouveauté cette année, c'est que. Ben, grosse nouveauté. Je vous dirais grosse annonce au niveau du spectacle. En fait, on a toujours un groupe de musique qui vient jouer au Red Hat Summit. C'est souvent la première journée pour lancer la semaine. Cette année, le groupe de musique va fermer en fait la semaine du Red Hat Summit le jeudi soir avec Weezer. Donc, on est rendu quand même assez gros pour pouvoir se payer Weezer. Donc, le jeudi soir, un groupe que j'apprécie, que j'ai dansé beaucoup sur Weezer lorsque j'étais jeune. Donc, bien hâte de les voir. Côté des labs, oui, une panoplie de labs est disponible au Red Hat Summit. Et la plainte que je reçois souvent des gens qui se sont inscrits, c'est « Ah, je viens pour m'inscrire au lab et c'est plein. » Sachez que des sièges qui sont disponibles pour les gens qui se présentent à la porte. Donc, arrivez une demi-heure, 45 minutes avant, puis il y a des bonnes chances que vous puissiez aller faire le lab. Et surtout, il y a des gens qui se présentent pas. Il y a des gens qui sont inscrits qui se présentent pas. Donc, n'hésitez pas à arriver avant pour assister au lab. C'est la même chose pour les présentations. Il y a certaines présentations qui sont pleines, mais en fait, il y a toujours des sièges qui sont gardés pour les gens qui se présentent à la porte. Parmi les partenaires, cette année, on a un gros salon de partenaires. Ça, j'en ai pas parlé au Red Hat Summit. Des gens qui viennent présenter ce qu'ils font de bien autour de Red Hat, en fait. Et cette année, on a un partenaire assez spécial qui s'appelle Nvidia, que vous connaissez peut-être, les cartes, fameuses cartes vidéo. Donc, les cartes vidéo ont eu dans les derniers mois, une augmentation fulgurante au niveau des prix, pratiquement doublé. Le coût a pratiquement doublé. Très difficile pour nous, entre autres, les joueurs de jeux vidéo, d'upgrader nos cartes vidéo sans sortir la grosse argent. On a vécu dans le dernier mois, par exemple, une légère baisse. Je n'ai pas une bonne nouvelle nécessairement pour les cartes vidéo parce que ce qu'on va présenter au Red Hat Summit, en tout cas, en fait, ce qui est déjà présenté, je peux vous montrer le lien sur GitHub. Je vais le mettre dans le chat ici. Je vais vous le monter, en fait, à l'écran. Sur GitHub. Donc le code source, en fait, de ce que Nvidia travaille avec les containers. Donc c'est possible maintenant de rouler des containers à même le GPU et non le CPU. Pour ceux qui connaissent pas beaucoup les cartes vidéo d'aujourd'hui, le GPU est souvent plus fort que la machine sur laquelle la carte vidéo est attachée. Donc on arrive à aller chercher des performances d'exécution de containers assez impressionnantes. Donc, c'est ce qui va être démontré dans le boot de Nvidia au Red Hat Summit. Il va y avoir une session aussi sur ça. Donc, très intéressant. Cette année, en fait, dans ce qu'on appelle le pavillon des partenaires, on a plusieurs partenaires Red Hat qui viennent présenter les solutions. Mais on a aussi Red Hat qui est là avec toute notre gamme de produits. Vous avez des kiosques pour chacun de nos produits pour lesquels vous pouvez aller poser des questions, aller voir les démos, parce que la plupart des petits kiosques ont des démos. Je vous invite cette année à aller voir ce qui va se faire du côté de notre Management Business Unit, qu'on appelle le MBU, tout ce qui tourne autour du management, c'est-à-dire Satellite, Ansible, CloudFarm. Beaucoup de nouveautés qui vont être présentées. Et entre autres, un des démos, prenez le temps d'aller voir ce qu'on a fait au niveau des services catalogues.
Service catalogue, il y en a dans CloudFormation, il y en a dans OpenShift. Donc, il y a un boot qui va présenter vers où on s'en va avec les services catalogues. Donc, très, très bien. Sinon, au niveau de la gestion de REL comme tel, des nouveautés aussi. Encore là, dans cet amphithéâtre-là, où on retrouve tous les boots à Red Hat, allez voir celui de REL. On va démontrer un nouvel outil pour créer des images REL, autant pour la virtualisation que les clouds, quelque chose qui était demandé beaucoup. Vous allez voir l'évolution de Cockpit. Cockpit, je vais vous le montrer dans quelques instants. Et YumCat. Vous parlez de YumCat un petit peu, tiens. YumCat va être discuté, va être présenté au Summit. Mais on a déjà annoncé au travers CentOS, la nouvelle monture de Yum. Donc, je vous la mets ici, dans le chat encore une fois. Donc, YumCat, qui est basé sur DNF. DNF, c'est l'outil qu'on utilise en Fedora pour installer des paquetages, mettre à jour des paquetages. Donc, YumCat, basé sur DNF. La grosse différence entre les deux, Yum 3, Yum est écrit en Python et DNF, YumCat sont écrits en C. Donc, ce qui donne quand même beaucoup de vitesse. Beaucoup de vitesse à votre installateur de paquetage pour votre plateforme. Donc ça, c'est intéressant aussi. C'est ce qui va être présenté et montré au Red Hat Summit. Côté Ansible, dans les derniers mois, dans différents meet-ups, on a des équipes qui se sont promenées pour présenter beaucoup Ansible, ce que Ansible fait autour de la sécurité, comment Ansible peut aider dans l'implémentation ou je vous dirais, l'espèce d'offensive qu'on peut faire aussi avec la sécurité. Donc, on peut utiliser Ansible non seulement pour se défendre, mais aussi faire des tests de pénétration. Donc, beaucoup de travaux qui ont été faits autour de ça qui vont être présentés dans notre boot, hein, nos boots au Red Hat Summit. Sinon, autre chose qu'on a introduit il y a environ 2 ans et qui est peut-être mal connue des gens, on a plus de 45 personnes des SME, Subject Matter Experts, de pratiquement tous nos produits. Vous allez vous asseoir avec eux, emmener votre liste de questions, votre liste de concerns, votre liste de choses que vous voudriez voir dans nos produits. Ces gens-là sont là pour vous écouter. Donc, ils prennent le temps de s'asseoir et répondre à vos questions. On en a pratiquement tous les produits de Red Hat. Donc, c'est une belle place aussi à aller passer du temps. Et là, je m'apprête à dire quelque chose que je sais que plusieurs d'entre vous vont ouvrir grandes les oreilles. RHEL 8. Alors, qu'est-ce qui se passe avec RHEL 8? Qu'est-ce qu'on va dire sur RHEL 8 au Summit? Malheureusement, il n'y a rien à dire. On est en plein développement, en pleine phase alpha avec RHEL 8. Donc, ça va être discuté, je vous dirai un petit peu, lors de la session Roadmap, le mercredi matin. Je pense qu'elle est en rediffusion. Il y a une deuxième copie le jeudi. Mais attendez-vous pas de grandes annonces du côté RHEL 8. Il faut vous diriger vers cette session-là ou aller rencontrer les ingénieurs et les product managers qui sont dans le boot de RHEL pour poser des questions, mais on n'est pas autorisé, moi, je suis pas autorisé à divulguer aucune information du côté de RHEL 8, malheureusement. Et finalement, de mon côté, je vais être co-animateur dans un des labs, en fait, dans deux labs CloudForm, deux labs assistés. Il y a deux types de labs au Summit, il y a des labs pour lesquels il y a un instructeur qui donne des instructions. Il y a des gens qui accompagnent l'instructeur pour donner un coup de main aux gens qui sont dans le lab. C'est des labs de 2 heures. Donc, moi, je vais travailler dans ces labs-là. Il y a des labs ouverts aussi pour lesquels vous pouvez arriver. Par exemple, l'année passée, j'ai travaillé dans ces labs ouverts-là. Vous arrivez dans le lab, par exemple, OpenStack. On vous donne un laboratoire et vous suivez les instructions tout simplement. Ça, les labs ouverts, vous n'avez pas besoin de vous inscrire. Il faut juste se présenter. Mais les labs avec instructeurs, il faut vraiment s'inscrire. Ils sont tous complets. Généralement, ils sont complets les premiers jours qu'on les annonce. Mais encore une fois, n'hésitez pas à vous présenter si vous êtes sur site, les voir arriver 45 minutes. Il y a des places qui se libèrent aussi à la dernière minute. Donc, est-ce qu'il y a des questions, commentaires sur le sommet dans le chat? Je vais aller faire un petit tour dans le chat, voir qu'est-ce qui se passe. Non, c'est assez tranquille, excellent. Donc, n'hésitez pas encore une fois si vous avez des questions ou interagir. J'ai Eric qui est avec moi aujourd'hui, Eric Beaudoin, qui est un de mes collègues d'ailleurs. Merci Eric d'être là. Donc, si jamais je ne peux pas répondre, je suis certain qu'Eric va se faire un plaisir de répondre aux questions. OK, donc on y va maintenant au prochain sujet, qui est RHEL 7.5. Donc, RHEL 7.5 qui est sorti voilà quelques semaines déjà. Beaucoup de nouveautés pour une version mineure, honnêtement.
Et tiens, je vous les affiche à l'instant, juste à l'écran ici. Donc, beaucoup de nouveautés. Une des plus grosses nouveautés est vidéo. Vidéo veut dire Virtual Data Optimizer, c'est un nouveau stockage. Donc, je reviens sur vidéo dans quelques instants. On va prendre le temps d'en discuter et ou surtout de le démontrer. Ça va être ma seconde démonstration de la journée. Donc, vous démontrer ce que vidéo est capable de faire. Donc, très intéressant, vidéo au niveau stockage. On revient sur ça dans quelques instants. Des admirations au niveau de Linux System Role. Ça va être un autre démo. Peut-être que je vais avoir le temps aujourd'hui de le faire. Si vous ne connaissez pas Linux System Role, eh bien, c'est des playbooks Ansible qui sont créés par les ingénieurs de Red Hat qui vont vous permettre de configurer, faire le post-configuration, en fait, de vos installations réelles. Mais je reviens sur ça immédiatement après vidéo. Si on n'a pas le temps de le couvrir, eh bien, ça ira à la prochaine session dans 2 semaines. Network Board Encryption, des améliorations aussi à ce niveau-là. Je vais vous dire un petit peu quoi ça sert, Network Board Encryption, c'est intéressant. OpenSCAP, notre scanner de vulnérabilité et de sécurité aussi, et de conformité aussi, en fait, reçoit la rémédiation au travers Ansible. Donc, on l'avait au travers Puppet, au travers des bash scripts, maintenant on a ajouté Ansible. Cockpit a eu de l'amélioration tout spécialement au niveau stockage, bien sûr, pour intégrer les travaux de vidéo. Dans mes démos, je vais vous montrer ça dans quelques instants, cockpit et vidéo ensemble. Par contre, ce matin, je faisais des tests et j'avais des petites difficultés, donc on va voir comment ça va sortir en direct, pardon. Côté HA, notre add-on, notre outil de clustering actif-passif, reçoit des nouveaux connecteurs pour Amazon et Azure, en fait des fancy devices pour ces deux clouds quand même assez utilisés aujourd'hui, donc intéressant pour ceux qui veulent faire du HA sur le cloud public. Et finalement, si on a le temps de se rendre là aujourd'hui, j'aimerais ça vous démontrer Builda. Builda qui est une technologie toute nouvelle en réel, créée par Dan Wash. Dan Wash, celui qui est derrière ce Linux, celui qui est derrière aussi tout ce qu'on fait au niveau container chez nous. Un très bon ingénieur. Donc, il a créé Builda qui permet de construire en fait des containers sans utiliser le daemon Docker, sans avoir Docker en fait. Donc, on va revenir sur ça plus tard. Donc, c'est les grosses nouveautés d'RS7.5. Il y en a d'autres, OK? Vous pouvez aller lire le README d'RS7.5, mais c'est vraiment les gros titres pour RS7.5, quand même beaucoup, beaucoup de matériel. Donc, je vais enlever ça ici. Maintenant, parlons un petit peu de vidéo, plus en détail. Vidéo veut dire Virtual Data Optimizer. Ça provient d'une acquisition d'une compagnie qui s'appelle Permabit, une acquisition qu'on a faite l'année passée. C'est 70 employés qu'on a achetés, des spécialistes en stockage, compagnie de Boston. Eux, à l'époque, offraient une solution commerciale et de type entreprise pour de la déduplication, de la compression et du thin provisioning. Avec cette acquisition-là, ce qu'on a fait, on a pris ce qui faisait très bien ces messieurs-là et on l'a incorporé directement dans RHEL. Okay, ce n'est pas incorporé dans nos solutions de stockage, c'est vraiment à même l'OS. Et la beauté de ça, c'est que ces technologies-là, dedupe, compression et thin provisioning, vont être accessibles à tout ce qui se met par-dessous, presque. Donc, on n'a pas besoin de développer ces technologies-là pour nos autres solutions de stockage, ce qui est vraiment intéressant. Donc, c'est simplement au travers de Davis Mapper. Et ça fonctionne autant avec des solutions File System que des solutions Block Device. Ok, je vous montre maintenant, je vous mets un petit lien ici, dans le chat encore une fois. Vous montre, on va switcher l'écran. Donc, qu'est-ce que c'est quand on parle de thin provisioning, data duplication et la data compression, on a une super belle, je vais peut-être grossir aussi. Est-ce que je suis capable? Ça grossit un petit peu, c'est parfait. Donc, vous avez des données ici représentées sur un disque, des données en bloc en fait. Donc, ce que vous voyez en couleur, ce sont des données. Quand on retrouve la même couleur, en fait, c'est les mêmes données. En blanc, ce sont des espaces vides, des blocs qui sont vides. Donc, le thin provisioning, première étape, ce que Vidéo va faire, c'est que Vidéo peut passer en fait ces données-là dans le thin provisioning et ça va éliminer les espaces qu'il n'y a rien dedans.
Deuxième étape, ce que vidéo peut faire de la déduplication. Déduplication, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on va regarder les blocs qui sont pareils et on va éliminer les blocs qui sont pareils. On va en garder seulement un. Il y a des pointeurs à titre de référence qui vont être créés en mémoire sur le disque pour si jamais un de ces fichiers-là est changé. Donc, on réduit beaucoup la consommation, on réduit beaucoup de données en faisant des duplications, spécialement si vous avez des fichiers qui sont presque identiques. Donc, on peut voir ça souvent dans les images ou dans les fichiers documents ou peu importe. Et finalement, à la toute fin, on peut rajouter par-dessus la tape provisioning de duplication, la compression. Donc, il prend beaucoup, encore moins de place. Ce qui fait qu'en utilisant, en implémentant vidéo, on peut sauver énormément d'espace. Quand je vous dis énormément, vous allez voir les chiffres dans quelques instants. C'est assez impressionnant. Donc, c'est une belle technologie qu'on inclut dans Real 7.5. N'est pas disponible encore pour Gluster, parce que Gluster, c'est une appliance qui roule en Real 7.4. Et Ceph, on parle des prochaines releases qui vont ajouter le support comme en dessous, en fait, de Ceph, en fait, on est en QA en ce moment là, pour Ceph, pour que vidéo soit autorisée comme couche en dessous de Ceph. Impact la performance, question d'Eric. Eric, c'est oui, c'est écoute, il y a sûrement un impact de performance. C'est nouveau avec 7.5. J'ai pas eu la chance, en fait, de pousser beaucoup mes tests, de voir c'est quoi l'impact. J'ai pas lu beaucoup, beaucoup encore sur la technologie, mais oui, c'est sûr qu'il y a définitivement un impact, sur la performance. À quel niveau? Peut-être c'est écrit dans la documentation. Faudrait jeter un œil ici. Donc, je reviens à la grand écran ici. Quoi d'autre? OK, j'ai une autre documentation à vous passer ici. Maintenant, si vous voulez utiliser, et c'est ce qu'on va faire dans la démonstration, là. Enfin, on va partir d'un réel qui n'a absolument pas de vidéo et on va s'attacher deux disques. On va en mettre un, pas de vidéo, l'autre avec une vidéo, puis on va voir la différence entre les deux. Donc, si vous voulez savoir comment faire, eh bien, il faut aller ici. Je vous mets le lien. Donc, le lien qui va permettre, en fait, qui indique comment travailler avec vidéo, comment bien partir avec vidéo, en fait. Donc, vidéo a des requis, okay, particuliers, des requis en stockage, parce qu'il y a une portion du disque lorsqu'on va allouer, en fait, le vidéo, on l'alloue à une partition. Donc, il y a une partie de cette partition-là, ou une partie de ce disque-là, qui a une certaine portion réservée pour le calcul de vidéo ou l'ajout des pointeurs pour les données lorsque ce sont des dupés. Et en mémoire aussi, il y a du travail qui se fait en mémoire. Donc, pour savoir le requis pour vidéo, je vous mets encore un autre lien ici. On va le regarder ensemble. Donc, vidéo, voici l'usage en RAM, dépendamment de la grosseur du volume physique qu'on associe à vidéo. Voici ce qui consomme en utilisation de RAM en espace disque. OK, donc on a les autres tableaux ici. Donc, et ce qu'il faut, maintenant, je vais vous donner des chiffres un petit peu. Qu'est-ce qu'on va aller chercher comme gain avec vidéo? Quand même beaucoup de gains. D'abord, si vous pensez stocker des VM ou des containers sur une technologie comme vidéo, c'est des bons, très bons use case. On est capable d'aller chercher, tout dépendamment, bien sûr, ce que vous allez mettre comme type de container de VM. On se garde un réseau quand même assez conservateur. On va aller chercher du 10-1. Donc, c'est-à-dire que si vous associez un disque ou une partition d'un terabyte et vous le montez, vous dites que ce disque-là, cette partition-là, c'est vidéo, je vais vous le montrer dans quelques instants, on peut montrer au système, on peut monter au système virtuel, en fait, 10 terabytes, en fait. OK, donc le ratio indice est conservateur ici, mais il faut s'ajuster à l'utilisation. Si vous prévoyez stocker l'object storage, par exemple avec Ceph, là le ratio va baisser à 3,1, parce que souvent, bon, c'est beaucoup d'images, beaucoup de vidéos, pas nécessairement de blocs pareils. C'est difficile à compresser. Souvent, ces images-là, ces vidéos-là sont déjà compressées. Donc, c'est à faire attention, le ratio baisse. Mais pour de la VM, pour des containers, du matériel qui ne sont pas compressés, puis qui peuvent sensiblement être pareil, hein. Des containers, si on en lance une centaine de containers, il y a des chances que des bouts de ces containers-là soient sur le disque pareil, identique. Donc, le dédup devient intéressant. Donc, du 10-1, conservateur, on peut monter plus haut que ça.
et en Object Storage 3.1. OK. Donc, petite démo. Switchons à la prochaine écran. Je vais juste m'ajuster ici. OK. Juste tasser ça par là. Petite démo. On va y aller avec lequel technologie je prends. Je vais y aller avec ça. J'ai des VM ici. Je vous montre ça dans quelques instants. OK. Donc, j'ai plusieurs VM. Je vais utiliser. Je vais partir de deux VM ici. Donc, une en 7.5, celle que j'ai testé mes démonstrations dessus. Et j'en ai un autre ici qui roule, qui est flambant neuf, donc fraîchement installé. OK. Donc, pour faire fonctionner vidéo, en fait, je vais faire plus que ça avec cette démonstration-là. Je veux vous montrer vidéo, mais aussi cockpit en même temps, l'intégration qu'on a faite avec vidéo, parce qu'on a des bonnes statistiques avec cockpit qu'on n'a pas nécessairement en ligne de commande. En tout cas, qu'on peut avoir en ligne de commande, mais qui est peut-être plus difficile à aller chercher. Donc, ici, en fait, elle, je vais la mettre stand-by. Okay. Et on va partir from scratch avec celle-là qui est ici. On va attendre qu'elle démarre. Tarder. Pendant ce temps-là, on va regarder dans le chat. Y a-t-il des questions? Rick Baudouin, that's gonna hurt. Ok, Eric, je pense que c'est ça, tu as posté un link et je pense que mon petit robot empêche de poster des liens pour éviter que les gens posent des liens sur n'importe quoi. Donc, si jamais, écoute, prochaine diffusion, je pourrais te mettre définitivement modérateur. Donc, j'ai aucun doute sur ce que tu vas mettre comme lien dans le chat. OK, donc j'ai un RHEL 7.5 ici, on va aller en ligne de commande. Vraiment un RHEL 7.5 vanille. Je l'ai mis à jour. On va aller en route. Donc, laissez-moi savoir si vous ne voyez pas bien le terminal. Là. Je vais essayer peut-être de grossir la fenêtre un petit peu. Changer la résolution. J'aurais dû faire ça avant. Je ne sais pas ici. Est-ce que c'est... Bref, j'ai un petit blanc là. C'est dans le display, il me semble. Je me retrouve pas dans mon REL. Bref, on va laisser comme ça. C'est pas grave, on n'a pas besoin de beaucoup d'espace. Donc, de 1. Je vais installer tout ce que j'ai besoin pour faire rouler vidéo. OK, donc vidéo. Je vais mettre Cockpit Storage D qui est un plugin. Je vais killer quelque chose ici. Quand on démarre l'interface, c'est Package Kit. Donc, j'installe vidéo, Cockpit Storage D, qui est le plugin pour gérer du stockage avec Cockpit et le mode. Bon, je pense qu'il était déjà installé. OK. Ou je crois que ça prend. Non, vidéo est déjà là. C'est bien. C'est bien. J'avais vraiment l'impression que vidéo n'était pas installé par défaut. Ça doit être installé par défaut dans 7.5, ce qui est très bien. Donc, on va se créer deux disques. Maintenant qu'on va ajouter la machine. Donc, je vais ajouter du hardware ici. Donc, je vais ajouter deux disques. Tiens, peut-être 10 gigs chaque. Je pense que ça va être un bon test. OK. Maintenant, on est supposé faire du live attach. Ce qui se passe aujourd'hui, ça va pas bien avec cette machine-là. Donc, on va l'arrêter.
C'est important avec Libvirt de bien l'arrêter au complet parce que les disques ne se rajoutent pas. Donc j'ai mes deux disques qui sont là. Donc on va redémarrer la machine. Ok, presque démarré. Donc, on va regarder de 1 si les disques sont vus par le OS, bien important. Donc, j'ai deux disques de JIG, SDC et SDB. Okay. Donc, SDB, va se créer une nouvelle partition dessus qui la prend au complet. Okay. On va l'enregistrer. On va la formater en XFS. Qu'est-ce que j'ai pris? C'est SDB. SDB. OK. Donc SDB, on va formater SDB1 en en XFS. OK, ça a été quand même assez rapidement. On va se créer un répertoire. SHMNT. SH XFS, tiens. Donc on va la monter. Slash MNT, slash XFS. OK, donc elle est montée. On va juste regarder qu'est-ce que ça dit ici en termes d'espace. SDB, DigiG de disponible, 33 d'utilisé, ce qui est bon. Alors, pour maintenant mon 2 secondes 10, je vais le préparer pour vidéo, en fait. Donc, pour le préparer avec vidéo, ce que je vais faire, là, je vais faire une petite opération un petit peu particulière parce qu'avec vidéo, c'est pas ce qu'on fait, je l'explique par après, là, mais je vais quand même aller. Oups. Pas terrible ça. Donc, ça va être. C'était quoi? SDC. Donc, ce que je dis, en fait, ici, c'est créer un volume qui va s'appeler. En utilisant un vidéo, le nom vidéo, sur le device dev SDC. Okay? On va prendre ce qu'il y a comme espace. Bien sûr, c'est important qu'il y ait assez de RAM disponible. J'ai 2 Go de RAM sur cette VM-là, ce qui est amplement suffisant pour l'instant. Donc, j'ai le volume de créer. Alors, ce qui me reste maintenant, vous voyez, c'est dans DevMapper, un peu sur le principe de LVM. Donc, il me reste à formater ce nouveau volume-là. On va aller voir l'espace que ça nous a donné. OK. Donc c'est vraiment hyper simple à utiliser là. On se perd pas dans. Oups, petite erreur ici. On se perd pas dans ben, beaucoup de commandes. Donc un petit peu plus long à formater comme vous allez voir. Et je vais le monter maintenant. Je vais créer un répertoire dans MNT que je vais appeler vidéo. Et on va monter ce nouveau device VDO1 ici. Oups. On va le monter dans MNT vidéo. Okay, donc, si je fais un df-h, on va voir ce qui s'est passé. Donc, il y a une portion du disque, en fait, qui est gardée pour vidéo. On parlait, je crois que tantôt, dans le tableau, on avait vu 2,5, mais il a pris un petit peu plus ici. En fait, il y en a laissé de libre, si jamais on veut grossir l'espace sur le disque. Okay. Donc, on va faire des tests maintenant. Qu'est-ce qu'on sauve comme espace? Je pourrais aller télécharger quelque chose sur Internet très rapidement. Parce que c'est une vanille. Je vais aller chercher un podcast que j'aime bien écouter. Justement, on fait qui est Gunnar, Dave and Gunnar. OK. Donc, un petit épisode de Dave and Gunnar qui est ici. On va télécharger, tiens.
leur dernier épisode, qui parle un petit peu du Summit, justement. Si je ne me trompe pas, on peut downloader le MP3 ici. Bon, 16 gigs, c'est correct. 16 gigs, 16 mégs, pardon. Donc, c'est téléchargé. On va ouvrir ça ici. Et ce qu'on va faire, on va aller sur notre système de fichiers. On va aller copier plusieurs fois, en fait, ce fichier-là. Donc, je vais aller dans... Bien sûr, avant, il va falloir que j'aille changer les permissions sur ces deux drives-là. Donc, on va mettre ça simple. On va mettre ça accessible à tout le monde, écriture à tout le monde. OK. Donc, je vais dans MNT. Dans mon download qui est ici, je vais le copier. Donc, dans vidéo, on va le copier. Oups. On va le copier une couple de fois. OK. Donc, ça nous fait différents fichiers, mais c'est. Comprenez ici là, que c'est une copie intacte, en fait, du MP3. Donc, j'en ai pour 300 MB environ. Donc, je vais faire un CTRL-C là-dessus, puis je vais l'envoyer aussi dans mon autre disque que j'ai créé dans MNT. XFS, pour voir la différence, qu'est-ce qui va se passer entre les deux. OK. Donc, c'est terminé. On va aller retourner en ligne de commande. On va aller voir qu'est-ce qui s'est passé avec DF-H. On va partir ça ici. Donc, mon vidéo, OK, consomme exactement le même espace. Donc, l'outil DF-H n'est pas vraiment pratique ici. Pour voir qu'est-ce qui se passe vraiment en arrière-plan, bien sûr, DF-H n'a pas été conçu pour tenir compte de ce qui se passe. En fait, ce qu'on voit ici, c'est ce qui est consommé au niveau logique. Mais en réalité, ce qu'on veut voir, c'est ce qui se passe au niveau physique. Donc, on a un outil qui s'appelle VideoStat qui permet de m'afficher, en fait, de l'information sur mon volume. Je peux mettre Human Readable ici. Okay, donc, je vais être capable de voir la différence. Je suis capable de voir l'espace utilisé, l'espace qui est disponible et le saving. Surtout le saving qui est intéressant. Mais moi, je voudrais voir la comparaison logique et physique. On a cette information-là là, de cacher dans plusieurs types de statistiques qu'on peut sortir avec VideoStat. On n'a rien de. Oups, c'est vidéo. Donc, juste avec la commande vidéo, là, on a un paquet d'informations qu'on peut aller chercher. Je crois qu'il y a un status qui va nous donner un peu cette information-là, mais c'est énormément d'informations, pas vraiment consolidées. Donc, moi, ce que je prends pour aller chercher l'information intéressante avec ça, c'est Cockpit. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Cockpit, très bel outil. C'est un petit. Je crois que je l'ai installé, mais il n'est peut-être pas démarré. OK. Juste le démarrer. Donc, c'est un outil d'administration. Un peu, si vous vous souvenez à l'époque, il y a quelques années, si on voulait faire de l'administration de systèmes au travers du web, il y avait Webmin. C'est un peu le même principe, mais beaucoup plus moderne, je vous dirais. Donc, il faut se connecter en root ici avec notre mot de passe root pour avoir accès à ça. Il faut juste installer Cockpit. Cockpit, en fait, on l'offre à pratiquement tous nos produits. C'est de l'information en temps réel qui est super le fun. Et je devrais avoir stockage que je ne vois pas. Pourquoi je ne vois pas stockage? Je l'ai pourtant bien installé. Je suis révisé. Donc, si quelqu'un a une idée, c'est quoi le problème? Gênez-vous pas. Je vais juste valider qu'il est bien là. Peut-être pas bien installé. OK, je crois que c'est dans un canal spécial et pour ça, on va aller voir notre deuxième machine. C'est pour ça que j'ai une deuxième machine ici. Et je vois l'heure, on est presque à 1 heure, donc on va terminer ça avec cette démonstration-là. Donc, je vais juste voir les repos que j'ai mis ici. Ouais, je crois que c'est dans un de ces repos-là.
On va l'essayer ici. Ça ne devrait pas trop être long à tester. À moins que quelqu'un ait la réponse. Je vais essayer celui-là ici. En fait, ces canaux-là, c'est qui offrent des différents niveaux de support. J'espère que ce ne soit pas trop long. T'sais, on va l'essayer juste pour voir si ça fonctionne. Peut-être qu'il était dans Extra. Oui, il est en Extra. Super. Donc, bon à savoir. Cockpit Storage D se retrouve dans le canal Extra. Donc, ça va être très important de redémarrer Cockpit pour prendre ce nouveau module-là. Ok, donc on va pouvoir se reloguer ici. Root. Va être ce mot de passe-là. Ok, maintenant j'ai l'onglet Storage qui est là. Et j'espère qu'il va voir mes devices vidéo. On va faire un contrôle moins. Oui, on le voit ici. Regardez l'onglet. Donc, super le fun en passant cockpit. Là, c'est vraiment l'information en temps réel. Je trouve que c'est hyper bien présenté. Ben, le temps avance très très vite. On a déjà passé 1 heure. Là, je ne vais pas passer trop de temps sur ça. Je vais juste vous montrer vidéo ce qu'on va chercher. Donc, voici l'information que je cherchais tout à l'heure. Donc, au niveau logique, on va prendre 298 MB, mais en réalité, comme vous savez, c'est des copies qu'on a fait, des copies exactement d'un fichier de 16 MB. Donc, physiquement, en utilisant une vidéo, je prends 16 MB ici, alors que logiquement, je vais en prendre 298. Donc, c'est là qu'on va voir le gain. C'est là qui est intéressant, cette petite vue-là qu'on a dans Cockpit. Bref, ce que je veux vous dire maintenant, c'était juste pour vous montrer le principe, comment ça fonctionne avec vidéo. Mais en réalité, quand vous créez votre fichier, là, vous le faites votre multiplicateur. Okay? Donc, quand je crée mon volume, j'ai un device physique d'un gig. Là, je l'ai mis un petit peu trop haut, là. Donc, j'ai un gig. Donc, je pourrais lui dire, le forçant en logique, là, affiche-moi plutôt 10 gigs de disponible. Donc, la règle s'applique ici, dépendamment de ce que je vais stocker sur mon device vidéo, en fait. Donc, là, je voulais juste vous montrer, créer 2 volumes, vous montrer que, oups, on a le même 16 qui est représenté, mais c'est un 16 logique. Donc, lorsqu'on crée notre vidéo, on sait un petit peu ce qu'on veut mettre dessus, on va faire un multiplicateur. Et ça, on peut jouer, bien sûr, avec ça dans le temps. Donc, très belle technologie qu'on livre avec REL 7, je vous invite à l'utiliser, marche déjà très bien avec NFS pour des serveurs NFS, permet de sauver d'espace, spécialement dans le cloud, hein? Dans le cloud, l'espace n'est pas donné. Donc, grâce à la vidéo, on peut faire des gains très importants. Donc, sur ça, on a déjà dépassé 1 heure. Malheureusement, je n'ai pas le temps de parler des autres sujets sur REL 7.5, mais on fera ça dans 2 semaines au retour du sommet. C'est sûr que je vais arriver avec un paquet de nouveautés, de nouvelles aussi intéressantes. Beaucoup d'annonces qui vont être faites la semaine prochaine. N'oubliez pas de regarder le summit. Il est disponible en diffusion instantanée à partir de notre site web. Beaucoup d'annonces qui vont se faire. Donc, merci d'avoir été là. Merci aux gens qui se sont joints à nous. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous allez revenir dans mes prochaines diffusions. Il y aura sûrement des surprises des fois. Je garde un horaire aux 2 semaines, mais ça se peut qu'une journée, j'ai une nouvelle sortie d'un produit, je pense que ça peut être intéressant. Donc, on pourra peut-être faire des surprises comme ça aussi. Donc, merci à tout le monde, puis à la prochaine. Bon week-end.